Remue-ménage. Bienvenue à votre émission Remue-ménage. Nous voilà au vendredi 2 septembre. Un cœur en santé. Lisons Luc 5, verset 15. Luc 5, le verset 15, « Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. » Pour conclure, Jésus nous appelle à proclamer et à vivre l'Évangile éternel. Apocalypse 14, verset 6. Luc 4, les versets 16 à 21, dépeint cet Évangile comme étant davantage que la prédication de la vérité du salut par la foi. Il implique aussi des expressions tangible de l'amour et de la compassion pour les pauvres, les affamés, les malades, les cœurs brisés, les opprimés, les parias, les prisonniers. Si quelqu'un ayant largement de quoi vivre voit son frère dans le besoin mais lui ferme son cœur, comment peut-il prétendre qu'il aime Dieu? Mes enfants, n'aimons pas seulement en parole avec de beaux discours, faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste par des actes. 1 Jean 3, les versets 17 et 18. Coffre aux idées. Passez quelques minutes par jour avec Dieu. Que ce soit dans votre chambre, dehors, à l'école ou au travail, rendez-lui visite. Ce faisant, vous finirez par éprouver un amour débordant pour lui et vous désirerez davantage prier et vous occuper de ceux qui vous entourent. Trouvez un partenaire de prière. La prière d'intercession est puissante. Choisissez un ami, un membre de la famille, un camarade de classe ou un collègue de travail. Engagez-vous à prier ensemble, en personne, par téléphone, texto ou même Skype. Fixez un moment pendant la semaine pour prier et honorer ce temps. Donnez spontanément. Lorsque vous rencontrez une personne dans le besoin, vous avez une occasion de donner. Vous pouvez hésiter à distribuer votre argent durement gagné à quelqu'un qui risque d'entretenir sa toxicomanie. Mais qui êtes-vous pour juger? Donnez des vêtements ou des articles ménagers usagés. Goodwill et l'Armée du Salut sont deux organismes à but non lucratif qui ont généré des millions de dollars pour les pauvres en vendant des vêtements et des articles ménagers usagés. Au lieu d'organiser une vente de garage, pourquoi ne pas donner les articles dont vous ne vous servez plus, ce qui permettra de recueillir quelques centaines de dollars pour une cause noble? Mettez de côté une gâterie pendant un mois, par exemple la télé, le chocolat, le magasinage, et donnez l'argent ainsi épargné à un organisme caritatif mondial ou à une organisation à but non lucratif telle qu'ADRA, l'Agence de développement et de secours adventiste. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Matthieu 25, Jean 13, versets 34 et 35, ainsi que dans le livre Jésus-Christ, chapitre Jésus bénissant les enfants, au chapitre 56, les pages 508 à 513, écrit par Ellen G. White. Ainsi que le livre The Love of God, Is Anyone There, écrit par Robert Bernard Dan, année 2013. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage.